les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Très bien. Et copains, et copines. On espère que bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Tu t'es caché, Swan? Coucou. Petit coquin. Qu'est-ce que c'est que cette invasion de surprise? C'est un challenge Slugterra. Waouh. Les Slugterra, les copains et les copines, je pense que vous connaissez déjà. On en avait caché dans les bains d'Orbeez. Vous vous souvenez, les garçons? Et là, on va réaliser un challenge. Alors, pas n'importe quel challenge, puisque là, en plus des figurines Slugterra, qu'est-ce que vous avez? On a des pistolets. Wow! Là, ça rigole plus. Effectivement, on a cette fois-ci carrément les pistolets. Tonton! Avec les munitions. Alors, les munitions, en fait, ce sont les mêmes figurines. C'est ça, hein? Ah oui, c'est ça. Mais en version munition. Donc, beaucoup plus allongée. Et le visage est au bout de la munition. Il y a un deuxième pistolet qui ressemble à un espèce de requin, très sympa aussi, voilà. Je pense que ce sont les mêmes munitions, oui à chaque fois ce sont les mêmes munitions, hein. Tout le temps pareil, d'accord. Le troisième pistolet, donc il ressemble au premier qu'on vous a montré, sauf que celui-ci il fait un bruit différent, vas-y Néo. Sympa, hein? Ouais. Nous avons également des stocks de munitions avec deux séries différentes. Il y a cette série-là et il y a celle-ci. Ce ne sont pas les mêmes couleurs, ce ne sont pas les mêmes personnages non plus. Ici, nous avons les noms des personnages pour la collection des garçons. Et ici, ce sont les figurines Slugterra, les petits personnages donc que vous connaissez déjà puisque nous en avions caché une partie dans le bain d'Orbeez. Donc là, on en a beaucoup. Nous avons également ces personnages-là, encore des nouveaux. Alors là, celui de gauche, il a une tête épouvantable avec des dents énormes, il fait très peur, je trouve. Hein. Nous avons aussi ceux-ci, ils ont l'air un peu plus sympathiques déjà. Voilà les suivants, avec plein de couleurs. Alors ceux-là, les garçons les aiment particulièrement, hein. Ils sont pailletés, super rares. Et enfin, les deux dernières figurines qui vont nous servir pour ce challenge. Alors avec tout ça, comment on en fait un challenge en fait? Alors pour commencer, on va avoir des Slugterra à munitions. Ceux qui sont avec les pistolets, hein, c'est ça? Oui. Dans les pistolets. Oui. On va devoir tirer sur les Slugterra normaux. Sur les figurines? Oui, c'est ça. D'accord. Donc on organise un challenge d'adresse en fait, hein. C'est-à-dire qu'il faut arriver à dégommer les figurines avec les pistolets et les munitions Slugterra, c'est ça? C'est ça. Allez, on met ça en place? On met ça en place. C'est parti. On démarre par un unboxing. Les garçons vont libérer les pistolets, les figurines, les munitions. C'est quoi ça? Oh, c'est un petit poster, non? Ah ouais, c'est un petit poster. Oh, c'est sympa. Ah oui. Ça y est? Wow! Néo a libéré l'arme de combat. Tantan! Celui-là, il est excellent, il fait des bruitages. Et Swan est en train de libérer les petites figurines qui vont nous servir de cible. Alors, je vais prendre celui-là, il a l'air marrant. D'accord. Allez, première munition. Allez. Tu vas tirer sur ce Slugterra. Il est marrant comme ça! Ouais. C'est rigolo! Un peu comme dans les cirques, tu sais. On met l'homme canon, ouais, l'homme canon. Oui, ça ressemble à l'homme canon, c'est vrai. Alors, attention. Ouais, c'est bon. Néo procède à l'ouverture du dernier pistolet. Alors, les deux autres, comme on vous l'avait dit, se ressemblent. Hein, donc, on n'a pas filmé l'ouverture du deuxième, ce sont les mêmes. Ouais, celui-là, par contre, ouais, il est joli, il est en forme de requin. Oh, wow. Il est très sympa. Ouais, il est bien. Ouais, il est beau, lui. Allez, munitions. Tu vois? Oh, c'est sympa. Voilà, t'as peu de chance de le rater quand même. Ah, si, quand même. Si, si, quand même, c'est possible de le rater. Donc, super. Donc, les munitions, c'est très simple. On les met comme ça et on tire. Attention. Ouais. Wouhou, ça y est. Formidable. Ça va être un petit peu plus loin pour le challenge quand même. Hein. Faudra que tu t'entraînes. Hein. Voici les munitions que nous allons utiliser. Enfin, en voilà une partie en tout cas. C'est excellent. Puisqu'il y a effectivement les têtes en fait hein, des personnages Slugterra. C'est trop marrant. Ting. C'est joli, hein? Ouais, très un nouveau vernis. Attention, à l'attaque. J'ai tapé avec son point faible. Wow. Et voici les 10 autres modèles de munitions. Ils sont beaux, hein? Très beaux. On va faire un petit peu peur ceux-là quand même, hein? Regardez comme ils sont beaux.
Magnifique. C'est très sympa en tout cas sur le bout des doigts. Alors Swan est déjà en train de s'éclater avec les Sloctera. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut décorer son pistolet. Vous les avez décorés là ? Ouais. Alors chacun a pris son pistolet. Du coup Néo est parti sur le plus grand bien sûr. Celui qui fait du bruit en plus. Et voilà toute la petite mascotte de Néo sur son pistolet. Et ma mascotte. Et voilà la mascotte choisie par Swan. Donc Swan il a le petit pistolet lui. Voilà, il a le pistolet requin. Et oh, je ne suis pas une cible moi, attention hein. Voici les 8 figurines Sloctera dans lesquelles Swan va devoir tirer. Voici les figurines pour Néo, il y en a 8 également. Les garçons sont prêts pour le challenge. Nous avons donc ici les figurines à atteindre. Nous avons ici la ligne de Swan avec ses 20 munitions. Donc les garçons ont 20 munitions chacun. Nous avons ici la ligne de Néo. Tintin ! Et Néo a également 20 munitions. Donc il y a juste une différence de distance parce qu'il y a une différence de force pour tirer sur le levier du pistolet évidemment. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que Swan a le petit pistolet alors que Néo a le plus grand. Le principe du challenge est très simple. Il y a d'abord une question de rapidité. Les garçons vont tirer leurs 20 munitions le plus vite possible. Le premier qui atteint ses 8 Sloctera remporte la partie. C'est très simple. Si personne n'a dégommé ses 8 Sloctera après avoir passé les 20 munitions, on fera les comptes et celui qui en aura dégommé le plus remportera la première partie et la première surprise mise en jeu. Les garçons, êtes-vous prêts pour ce challenge Sloctera ? Oui ! Allez, c'est parti ! Oula ! Ça démarre fort ! Allez, on recharge, on recharge ! Oula ! Bon, ben pour l'instant, les figurines Sloctera se portent plutôt bien. Oh non ! Oh non, non ! Ça se poursuit, ça se poursuit ! Bon, pour l'instant, les Sloctera sont tranquilles. Hein. J'ai l'impression que la vie est plutôt belle pour les figurines. Alors, ça marchait mieux à l'entraînement, hein. C'était pas loin, Néo. Oh là. Eh ben... Ah, Néo a eu un Sloctera. Formidable. Eh bien, allez, allez, on continue. Ouais, Swan aussi, bravo. Oh là, ça y est. Du côté de Néo, ça commence à prendre forme. Allez les garçons, allez, allez. Néo, il te reste 5 Sloctera encore. Allez. Oh non, presque. Oui, allez, encore un pour Néo. Il n'y en a plus que 4 à dégommer pour Néo. Allez, Swan. Oh non, presque. Il n'y a presque plus de munitions, attention. Attention, attention. Les munitions se font rares. Allez les garçons. Oh là. Attention, dernière munition. Oh non. Oh là là, oh là là. Bon, du coup, pour ce premier round, eh bien personne n'a réussi l'épreuve de rapidité. Nous avons du côté de Swan 7 Sloctera encore debout. Bon. Et du côté de Néo, il en reste 4. Donc pour ce premier round, c'est une victoire. Néo. Oui, c'est bien le grand. Première surprise pour Néo. Pour ce challenge, les surprises, ce sont des petits tampons emoji. Très très sympa. Voilà, il y a toute une collection. Ça plaît beaucoup à Néo et à Swan aussi. Donc ouais, très sympa. C'est parti pour la collection des tampons. Les garçons, êtes-vous prêts pour le deuxième round? Oui. Allez, c'est parti. Top départ. Tantan. On recharge et on tire. C'est bon, bravo Swan. Alors oui, ça prend forme. Swan, il en a déjà dégommé 3. Allez Néo, allez, allez, allez. Alors, oui. Eh, il n'y en a plus que 2 chez Swan. Hein. Néo, 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 réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Allez. Néo, il a tenté la technique des munitions dans les mains pour perdre moins de temps à recharger. Allez, on change de posture. Oui, si tu veux. Allez, on vise. Concentration. Ah, j'en ai fait tomber un, là. Ouais, ça y est. Et d'un pour Néo. Dernière munition pour Swan. Swan, il n'y en a plus que 2 à faire tomber, attention. Oh non. C'est fini pour Swan. Il n'y a plus que Néo.
Ouais. Bon. Du côté de Néo, il reste donc 6 Leuctera indemnes. Donc Néo n'en a fait tomber que 2. Et du côté de Monsieur Swan, il y a seulement 2 Leuctera encore debout. Swan en a dégommé 6. Donc... J'ai gagné. Oui. Donc une surprise pour Swan maintenant. Allez, on va la chercher. Et voilà, Swan a son tampon emoji aussi. On les ouvrira à la fin, je pense, pour voir ce que les garçons ont obtenu. Nous attaquons ce troisième round et les garçons sont dans une position étrange. Vous êtes sûr que vous voulez faire comme ça? Oui. Même allongé, ça n'a rien changé pour le moment. Toutes les figurines sont ici. Allez, on poursuit. Néo, c'est bruitage. Ouais. Ah, ça y est. Un dégommé chez Néo. Allez, allez, on continue. Néo retente la position allongée. Attention, est-ce que ça va mieux fonctionner? Non. Dommage. Oui. Et d'un pour Swan. Oh là, mais... Oh, ça fait déjà 2 fois que tu nous fais le coup, toi. Les faux départs de Néo. Attention. Non, non. Et non. Allez, on essaye à genoux maintenant. Ouais. Ah, à genoux, ça semble être meilleur pour Néo. Oh non. Oh non. Allez, pour l'instant, personne n'a fait le grand chelem, hein. Savoir les 8 figurines sur une partie. Allez, allez. C'est dur en fait, hein. C'est bien, Swan. Et d'un pour Swan. Wouhou. Plus que 5. Allez, Swan, accroche-toi. Oh là là. C'est fini pour Swan. C'est fini pour Swan. Allez, Néo. Dernière munition pour Néo. Du côté de Swan, il reste 6 Leuctera en position debout. Il n'y en a donc que 2 qui ont été atteints. Du côté de Néo, il y en a 5 qui sont encore debout, il y en a donc 3 qui ont été vaincus. C'est donc une victoire pour Néo. Ah, t'es content? Ouais, content. Enfin, t'en as dégommé que 3 quand même, hein. C'est une petite victoire. Mais bon, ça suffit à avoir une surprise supplémentaire. Deuxième surprise pour Néo. Quatrième et dernier round? Oui. Allez, attention. 3, 2, 1, top départ. Oh là, ça démarre fort. J'ai pris un petit peu de hauteur pour suivre ce challenge. Allez. Le challenge se poursuit. Voilà. Beaucoup de réussite. Allez, allez. Oui, c'est bien. Oh, bravo Swan. Allez Néo, allez, allez. Mais non. Là, il y a un gros avantage de Swan qui n'en a plus que 5 à dégommer. C'est possible. Allez Néo. Là, c'est serré, nous sommes sur le dernier round, je vous le rappelle. Dernière surprise et il y a bien sûr une surprise plus importante pour le grand gagnant de ce challenge. Alors, allez, allez. Ouh, Swan. Ça prend forme du côté de Swan, hein. Allez Néo, accroche-toi. Oh, oui. Non, allez, c'est bien, on continue. Allez, dernière ligne droite. Wouhou. Eh bien, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Allez, encore. Oh là. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Allez, Swan, il n'y en a plus que 3. Vas-y, vas-y. Allez, petit cœur. Peut-être que tu vas réussir. Allez. Non, non. C'est pas une munition, ça, c'est une figurine mascotte. C'est fini pour Swan? Allez, on fait les comptes. Du côté de Néo, il reste 6 Leuctera debout. Il y a donc 2 Leuctera qui ont été atteints de ce côté-là. Du côté de Swan, il y a beaucoup de munitions. Il y a 3 Leuctera encore debout, donc il y en a eu 5 atteints. C'est donc forcément une victoire pour... Swan! Oui! Bravo, petit cœur, c'est toi qui remportes le 4e round. Tu as droit à une petite surprise. Donc, ça fait 2 surprises pour Swan, qui a donc remporté 2 rounds. Et du côté de Néo, on a également 2 surprises. Donc vous êtes parfaitement... Égalité. Bravo les garçons. C'est équilibré. Ouais. Et comment on va faire alors pour la grosse surprise? Des grosses surprises. Une grosse surprise pour chacun? Oui. Allez, vous choisissez chacun la vôtre. Ouais, voilà, je vais prendre celle-là. Allez, on montre tout ça aux copains et aux copines. On a un caca chacun. Formidable, formidable. Swan et les caca emoji, une grande histoire d'amour, formidable. C'est parti, on ouvre les petites surprises. Ah non, une surprise. Oh, ma mince.
Oh, il est marrant celui-là aussi. Donc là, les garçons, ouvrent les surprises. On vous rappelle que ce sont des emojis en tampon. Allez, on ouvre tout, on les montrera après de plus près. J'ai même quelques... Oh, celui-là, il pleure. Et toi, il fait quoi alors? Il tient la langue avec un cœur. C'est le même. Ah bah voilà, là, vous avez les mêmes, carrément. Et les grandes surprises, alors, c'est quoi? Voilà. Wow, là, il y en a plein. Voici les deux tampons obtenus par Swan dans les petits sachets surprise. Et voici le gros cadeau avec effectivement 5 tampons différents. Donc, ils ont tous un visage différent. Celui-là, il est rigolo. Celui-là, il sourit, fait un clin d'œil. Là, c'est celui que Swan préfère, la petite crotte. Là, on a encore un emoji très content. Et là, on a le petit diable. T'es parfait pour Swan. On a lui. Oui. Il existe aussi le cœur normal, mais nous on a un cœur brisé. Bah peut-être qu'on l'aura une prochaine fois celui-là. Il y en a 36 à collectionner, il y a de quoi faire hein. Et voici les deux obtenus par Néo. Oh, il y en a un qui est tout triste. Non. Sniff, sniff. Bon, ils sont sympas quand même. Et la grande surprise obtenue par Néo avec 5 emojis différents. Donc il y a celui-ci avec les cœurs. Là, on dirait une fille maquillée. Là, on a le V de la victoire. Ici, un smiley bien rigolo. Et de nouveau une crotte, mais pas la même que celle de Swan. Super. Oui. Alors les garçons, c'était comment ce challenge Slugterra? Moi, j'ai bien aimé, ouais. Super. C'est un peu dur quand même, hein. Ah oui, hein, il n'était pas du tout facile ce challenge. Il fallait bien apprendre à viser, puis il fallait tirer très très fort. Mais bon, c'était sympa quand même. Les copains et les copines, est-ce que vous préférez les Slugterra ou les emojis? Bien sûr. Pensez au préfet. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt les copains et copines. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager. Plein de gros bisous. On vous aide. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye et plein de bisous. Et voilà toute la collection Slugterra, munitions et bien sûr les emojis.